Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto récup pour réaliser un petit papillon comme ceci avec donc que des produits de récupération. C'est super sympa à faire avec les enfants. Voilà, pour le printemps ça fait une petite activité. Donc on se retrouve pour les explications et le matériel. A tout de suite. Alors, pour réaliser votre petit papillon, il va vous falloir une pince à linge en bois de préférence. Après, c'est comme vous voulez, si vous préférez en plastique. Il va vous falloir du scotch, des ciseaux, un emballage quelconque, mais en carton. Où vous pouvez découper des couleurs assez sympas. Et puis, quelques feutres ou de la peinture si vous souhaitez décorer la pince à linge. Alors, tout d'abord, nous allons découper en fait des formes d'ailes dans l'emballage en carton. Donc moi j'ai trouvé deux parties de mon emballage qui sont à peu près similaires. Donc je vais m'en servir pour faire les deux ailes du haut ou les deux ailes du bas qui vont être à peu près de la même couleur. C'est plus sympa. Après vous pouvez faire quelque chose de bariolé, ça dépend vraiment des goûts. Donc je découpe une forme d'aile. Donc j'ai superposé mes deux cartons hein, pour avoir mes deux ailes à peu près à la même forme. Voilà, donc j'ai déjà mes deux premières ailes donc, qui seront bleues. Ensuite, je vais essayer de trouver d'autres couleurs à peu près similaires. Donc, sur mon carton, et ben moi, je pense que ça va être du vert, du coup. Hop. Donc là, c'est le tuto récup. Finalement, j'avais pas assez de vert. Je vais prendre les couleurs fruits, là. Et puis, on va tester, du coup, avec plusieurs couleurs, ce que ça donne. Donc, je fais ma petite forme d'aile dans les deux cartons et voilà, j'ai donc les ailes du bas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les quatre ailes ensemble. Donc soit avec de la colle, soit avec du scotch. Voilà. Vous pouvez faire aussi couleur carton hein, si vous voulez faire tout naturel et décorer après. Donc voilà, on a les ailes du papillon. On va venir coller le corps ici. Voilà, donc j'ai collé tac, le corps de mon papillon. On va pouvoir venir faire des petites décos maintenant sur la pince à linge. Comme j'avais du jaune sur mon carton d'emballage, j'ai fait deux petits ronds jaunes que je vais mettre en haut des antennes, comme ça pour finir ma décoration. Voilà, donc j'ai rajouté deux petits triangles sur le bas. Et mes papillons récup sont terminés. Donc vous, voilà, donc votre petit papillon récup est terminé. Donc en général, ça plaît bien aux enfants, le fait de réutiliser des emballages, des choses comme ça. En plus, si vous le collez donc que sur une partie de la pince, vous pourrez l'ouvrir et puis l'accrocher donc au niveau des plantes ou pour décorer la maison, voilà, donc pour le printemps. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu, ce petit tuto récup de printemps vous a plu. Je vous retrouve donc la prochaine fois dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez d'ailleurs vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur mon site internet créabulle.fr et sur ma page Facebook Créabulle. A bientôt, bye bye.